この一つのボールで世界を変えよう。皆さん寄付してください。お願いします。Ein Ball kann das Welt ändern. Du kannst auch. Bitte spenden. Una parola può cambiare il mondo. Parla anche tu. A ball can change the world. So can you. Make a donation today. Bonjour et bienvenue pour cette 9e édition de la Coupe du Monde des Sans-Abri. Vincent Fabre aux commentaires pour ce dernier match de la journée entre la Slovénie et l'Australie. Allez, on est parti. Là, les Australiens à l'attaque. Alors, on rappelle les règles. Demi-temps de 7 minutes. Chaque équipe a 3 joueurs de champ. L'équipe qui attaque peut attaquer avec la totalité de ses joueurs de champ, mais l'équipe qui défend doit toujours défendre avec un maximum de 2 joueurs et laisser un joueur en contre-attaque. Le gardien est le seul à pouvoir toucher la balle dans sa surface et il ne peut pas sortir de sa surface, sinon c'est pénalty. Et voilà l'ouverture du score du numéro 7 australien. La Slovénie à l'attaque maintenant. La Slovénie, la belle frappe de la Slovénie qui a failli égaliser. Et c'est au-dessus là pour le numéro 2 slovène. Sazosovic. Voilà, ces deux équipes qui jouent dans le groupe H. La Slovénie deuxième du groupe H et l'Australie troisième. Ça peut être intéressant parce que c'est deux équipes qui sont très proches en termes de points. Et la frappe, et oh, le poteau qui repousse la frappe australienne là. Allez, remise en jeu là pour les Australiens dans le camp slovène. Belle frappe là du numéro 10 australien Mustapha Hussein. Et le but derrière. Superbe but du numéro 5 Peter Jada. Et on joue encore là. Voilà, la frappe et c'est au-dessus. La frappe du numéro 6 slovène Darko Gostan. Allez, l'Australie en attaque maintenant. 2-0 pour les Australiens face aux Slovènes. Attention, hey, ils réduisent le score, les Slovènes. 2-1 pour la Slovénie, but du numéro 2, Zazosovic. Attention, le contre-australien là. L'équipe là, une première frappe, deuxième frappe là. Et attention, le contre là, ça va revenir dans les bras du gardien australien. Les Australiens qui rejouent avec leur gardien derrière. Voilà, la relance courte. Et Slovène, là, voilà, qui récupère la balle, la défense slovène. Le contre, australien, les Australiens qui arrivent à récupérer la balle. Attention, excentré là, le numéro 5 australien, il glisse. Le contre slovène, peut-être, et... Non, pas de but, barre transversale, mais pas de but. Toujours 2-1. Pour les Australiens et le contre là, la Slovénie qui récupère la balle et qui essaie, qui frappe, contrée par la défense australienne. Et c'est au-dessus la frappe du numéro 3 de la Slovénie, Aleksandar Marjanovic. On fait tourner la balle, Marjanovic de nouveau qui revient sur son partenaire. On trouve un joueur excentré là, Darko Gostan. Marjanovic de nouveau, Sovec. Gostan, but de Gostan, de partout. Les